I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are.
les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Je suis impatient de vous la présenter. On se retrouve juste après l'intro et je te raconte tout ça en détail. Donc bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très 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 content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve sur une map somptueuse. Je sais même pas comment j'ai fait pour y passer à côté, franchement, tellement elle est quand même jolie. Enfin, je cherchais une map. Donc la map c'est Terra Italica. On se retrouve avec Killer Crops 88 qui a fait cette map, il me semble, sans vouloir dire de conneries, c'est celui qui a fait la. Vous savez, la moissonneuse, la Mossbat, la Fiat Agri, que je surkiffe. Vous avez vu dans le début de la vidéo, je vous ai mis tout un petit tas d'accélérés. Ça, c'est ce que j'ai fait avant, bien sûr, de mettre le mode saison, parce qu'il me fallait tout simplement, bien sûr, un peu de stock. Donc, pour changer des bottes rondes, j'ai pris une botteleuse carrée. Alors, je la trouve somptueuse, je vais vous la présenter tout à l'heure. Je vais vous présenter un petit peu la map et le projet. On repart à zéro, bien entendu. Carrière, no cheat. Je me suis. Donc, par contre, le crédit est à fond. J'ai loué beaucoup de matos, puisque ben, forcément, même avec le crédit, je crois qu'on arrivait à peine à 1 million. On était à 900 000 euros. Donc, on avait beaucoup de change. J'ai dû en acheter 3, je crois, c'est tout. Mais ils n'étaient pas très, très chers. Donc, j'ai acheté le 1, le 3. Et j'ai acheté le 21, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, bien sûr, j'ai mis le mode saison. Donc, on repart, bien entendu, à zéro. On n'a pas beaucoup de vaches, mais on en a quelques-unes. 58, je crois. Je vais vous montrer tout ça, vite fait, puisqu'on est, tant qu'on est en haut des marches de l'escalier. Voilà, on a 58 vaches. Donc, je leur ai mis que de la paille. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais parti sur une botteleuse ronde, la botteleuse crone du jeu. Je vais vous montrer, on va aller se promener. Voilà, donc bon, le C15, hein, vous le connaissez, je ne vous montre pas. La map, franchement, les amis, je vous dis, je ne sais même pas comment j'ai fait pour y passer à côté, tellement je la trouve super jolie, super vallonnée. On se retrouve vraiment dans des plaines italiennes, vraiment, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment sympathique, quoi. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. On peut vraiment assurer une petite carrière sympathique. Donc, ces vidéos-là, bien entendu, sortiront entre le petit limousin. Donc, d'après mes calculs et ce que j'ai planifié, si vraiment j'arrive à tenir le rythme, parce qu'avec le travail, c'est pas évident. Maintenant, bon, comme je suis de nuit, c'est assez agréable. Comme ça, j'ai les 3-3, ce qui fait que c'est quand même assez cool. Donc, je pense sortir à peu près au moins 4 vidéos semaine. On va faire 2 épisodes sur Terra Italica et 2 épisodes sur le petit limousin. Voilà, sachant que le petit limousin, j'ai quand même sacrément avancé en off. Celle-là, je peux vous dire que ça fait 4 jours que je la cogne pour pouvoir vous présenter un contenu dès le départ et non pas voilà, faire un tatillonner avec vous. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire ça, mais j'en voyais pas l'utilité. Je trouve que c'est assez rébarbatif. C'est vrai que j'ai fait des bottes de foin, des bottes de paille, j'ai fait de l'enrubannage. Vous verrez, j'ai loué une enrubanneuse carrée, donc pour changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. J'essaie de vous trouver des modes différents, mais c'est vrai que je suis obligé quand même aussi de laisser les anciens. Vous voyez, par exemple, sur le petit limousin, je me suis séparé du Massey Ferguson, le 6700S, enfin la série S. Ben, du coup, je l'ai repris ici. Je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Nodioland, le T5 en 120 chevaux. Pareil, allez, je me suis dit, bien, faisons-nous plaisir, je l'ai pris pour celle-ci. Comme ça, en fait, vous n'aurez pas les mêmes modes, ni sur une carrière, ni sur l'autre. Même si les deux carrières vont se suivre parallèlement et no cheat, on a quand même des activités différentes. J'espère, voilà, vous faire plaisir, vous proposer un contenu, bien sûr, différent d'une map à l'autre. Donc pour commencer, il y avait ben cette tourne à eau, Josquin, donc je l'ai laissé. Ensuite, le semoir, bien sûr, j'ai repris le même. Les deux Lemken, je ne me suis pas, voilà, je me suis pas pris la tête. L'épandeur à fumier, pareil. Le tonneau à lisier, j'ai repris le jaune aussi que j'ai sur la map, le petit limousin. Mais j'essaierai d'en trouver un autre, les amis. Je l'ai en location, je l'aurais vite viré. Et j'essaierai d'en trouver un autre.
Et voilà le petit bijou, les amis, que vous avez vu, j'allais dire en vie, voilà, en mouvement. J'avais vraiment envie de vous la présenter. Alors c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que j'ai cherché des maps en fait sur laquelle elle bug pas. Parce que sur le petit Limousin, bah, tout simplement, elle bug. C'est vraiment dommage. Elle me fait planter le jeu complet. Et il n'y a que sur cette map là, en fait, que bah, je suis arrivé à ce qu'elle bug pas, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un très très joli mode. Je vous le conseille. Et je vous conseille la map aussi, les amis, parce que mine de rien, c'est pas une des plus jolies que j'ai sur lesquelles j'ai joué en 2017. Bien sûr, le petit Limousin restera vraiment et reste la top numéro 1. Mais c'est vraiment une très très belle map. J'ai vraiment pas grand chose à dire au-dessus. Manque quelques activités en plus, comme par exemple comme les serres ou autres. Mais comme on les retrouve sur le petit Limousin. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je préfère, voilà, là, on va partir sur une carrière, entre guillemets, classique. Et ça peut être aussi sympathique. Voilà, on va faire d'autres choses. On est au début du printemps. Donc là, je vais vraiment vous montrer les labours, les semis, les pulvérisations, etc., etc. On va vraiment, voilà, faire du travail de fond, du travail que un agriculteur fait tous les jours, enfin toute l'année. Et bon, voilà, c'est rébarbatif, mais ça revient chaque année, quoi. Voilà, pour moi, c'est normal, en fait, entre guillemets. C'est normal de vous proposer un petit contenu comme ça. Et au fil des épisodes, vous allez voir, on va apprécier voir les semences pousser, tout simplement, ne pas semer avec le mode saison. Effectivement, j'ai pas mis, 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 j'ai pas mis. Alt S, non, c'est pas ça. Vous voyez, avec le mode saison, on va vraiment, voilà, ne pas semer le blé à moins de 5 degrés, etc., etc. Vous voyez, on va vraiment se tenir à ça. Et on va se régaler, les amis. J'espère que ça vous plaira, en tout cas. Et si ça te plaît, tout simplement, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, j'ai vraiment plaisir à prendre, voilà, à vous partager ce que je fais et c'est important. Voilà, j'espère que vous vous régalez aussi. Donc du coup, la petite nouveauté, bien sûr, comme sur le petit Limousin, bien sûr, je fais des parallèles, c'est vrai, mais c'est important aussi. Bah, du coup, maintenant, vous me voyez à l'écran. Donc du coup, je peux plus fumer et je peux plus boire de café. Non, je rigole. J'ai le café à côté, j'ai la clope aussi. Alors, coupe à soja et tournesol. Je crois qu'il y a une coupe à maïs qui va arriver dans les jours à venir. Le lien, je ne vous le mets pas, elle est sur YouTube. Killer Crops 88. Voilà, je vous le marquerai en haut. Il n'y a pas de souci. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en dessous dans la description. Tu cliques sur plus et tu as la chaîne de mon ami Pascal Le Valaisan, de Bart, etc., etc. Salut la famille des Conos. On se retrouve très vite en live. Voilà, à bientôt les amis. Et un plaisir à chaque fois. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à leur chaîne, la chaîne de Pascal Le Valaisan. Ainsi que celle de Jérémy Jivit Farmer, voilà, qui font de très très bons contenus aussi, de très très belles vidéos. Voilà. Salut les amis, je vais vous passer le petit bonjour, ainsi qu'à Juju de la famille des Conos, j'oublie pas. Voilà, voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Next. Donc, coupe traditionnelle, hein, je l'ai pris, voilà, la coupe traditionnelle, vous en avez deux, il y en a une avec les carter qu'on voit blanc et l'autre sans, tout simplement. Ensuite, on continue, map très fluide, je suis même surpris, je tourne partout, 60, 60 FPS constant, sauf que là, comme je filme, bien sûr, je suis descendu à 30, mais sinon, je suis à 60 en permanence. Donc, très joli stabu aussi. J'ai été assez surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Il y avait cette pailleuse. C'est la pailleuse du jeu d'origine. Je l'ai laissée. Voilà, les amis. Je ne me suis pas pris la tête. Donc, on voit les mimines. Donc, pour l'instant, elles n'ont rien à manger. Mais bon, on va leur donner puisque j'ai tout ce qu'il faut. Le petit plateau. Le petit plateau l'air qui va très très bien. Alors, par contre, ce tracteur-là n'a pas les flexibles. Mais si vous le branchez, par exemple, au massé.
ou à New Holland, sachez que si vous ne branchez pas les flexibles, vous restez sur place. Il y a un système de frein à main automatique, donc il faut l'enlever. C'est voilà, c'est un peu. Je trouve ça assez. Je trouve ça même très très réel. Et vous verrez tout à l'heure à la presse, j'ai une petite surprise sur cette petite presse-là que je trouve vraiment réaliste. Je me demande même pareil comment j'ai fait pour passer à côté de ce mode parce que ça fait très longtemps qu'il est sorti, je ne l'avais pas vu. Donc voilà, j'ai pris le 845XL pour changer un petit peu. C'est vrai qu'on le voit, je le vois pas, je l'ai pas. Enfin, je l'utilise pas souvent dans mes vidéos, donc c'est pour ça que c'est un très bon tracteur. Je l'avais utilisé dans, rappelez-vous, sur la map un air du Berry. Voilà, tout simplement. Ensuite, il a fallu que je trouve une pince, un pince-balle carré. J'ai pris celui-là, le Tanco, parce que il n'y en a pas beaucoup d'efficace. Enfin, de bien et d'agréable quoi. Donc celui-là fonctionne très très bien. Le Merlot, le bol distilleur. J'ai repris la même benne parce que je la trouve superbe, tout simplement. Voilà la petite Roland. Elle fera benne dans le silage et benne normale. Vous avez vu là le bull, j'en ai essuyé tout à l'heure. Enfin, au tout début de la vidéo en accéléré. Voilà, j'espère que ces petits accélérés d'ailleurs vous plaisent. Ça sera le cas sur cette map en fait. Soit je les mettrai au début, soit je les mettrai pendant la vidéo. On fera une petite ellipse et je vous mettrai l'accéléré sur ce que j'ai fait en off pour vous tenir un petit peu au courant. Voilà de ce que je fais en off aussi. Et ça prend quoi? 2, 3, 4 minutes, 5 minutes dans la vidéo. On fera pareil des vidéos de 20, entre 15 et 20 minutes. On va pas faire des formats trop longs non plus. Ça sert à rien. En plus, vous allez peut-être pas forcément au bout. Donc c'est pour ça. Allez, on continue la petite visite. La fosse salisier. Ouais, un très gros système qui va avec les vaches, bien sûr. Donc voilà le Zoomayer. Bon, j'ai repris celui-là. Je vais accélérer un peu, comme ça on va essayer de rappeler vite. Hein. Ici, ça, c'était sur la map. Je l'ai gardé. Voilà. La herse de prairie. Tout ça, c'était sur la map aussi. Les semences. Ma botte de paille, je l'ai laissée en plein milieu. Voilà. Ensuite, bon, pirouette ainsi que charrue, vous connaissez. Et on retrouve ici, voilà, la fameuse macole qui est dans le mur. Qui, bon, apparemment se décale, mais bon, je l'ai pas ressorti. Je la ressortirai, vous inquiétez pas. Elle est très bien, elle fonctionne très très bien. Elle fait des bottes en rubané, point barre quoi. Hein. Et bien, on va pas chercher bien plus loin. C'est juste histoire de vous montrer un mode différent de ce que de ce que j'ai l'habitude de vous présenter, tout simplement, les amis. Ensuite, mon fameux T5, le fameux acolyte T5 en 120 qui est magnifique. Hein. Une benne de bouche avec des pneus. J'aurais peut-être dû prendre les autres pneus, mais bon, voilà, je me suis pas fait chier. J'ai pris les pneus d'origine. Ici, voici la Neuland D1000. Vous appuyez, vous ouvrez les capots. Bien entendu, au bout de 50 bottes, il faut recharger. Il faut recharger. Ça, je trouve ça génial. Il faut recharger le fil. Voilà. Elle a tout est animé. C'est vraiment génial. Ici, quand vous voyez, il y a les flexibles de hydraulique, tout simplement. On les met, on les enlève. Alors, faut bien s'approcher normalement. Et ça marche. Je suis coincé. Attendez, bougez pas. Je voulais vous montrer ça quand même. Voilà. Et vous pouvez la dételer, tout simplement. Ensuite, on continue la visite du propriétaire. Bon, Landeneur, vous connaissez. Et je crois d'ailleurs que j'ai fait le tour, les amis. Normalement, j'ai pas grand-chose d'autre à vous présenter. Non. Si ce n'est que voilà, on a tout à labourer, bien entendu. On va revenir sur ça, histoire d'aller plus vite, histoire de vous montrer un petit peu. Donc, on a tout à labourer. Voilà, type de culture. Bon, les cultures normales. Donc voilà, tout doit être labouré. Donc on fera du labour, on fera de la herse, de la herse. Ah tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré la herse, je vais vous la montrer. En fait, voilà, on repart vraiment à zéro. Donc là, c'est vraiment l'épisode 1.0. Ça partira vraiment après. Voilà, dans le délire, on partira vraiment après. J'espère que lui, il va assurer pour la charrue, parce que c'est vrai que le 190,
il a pas trop de mal, mais celui-là, il fait que 140 chevaux, donc c'est le tracteur, le tête de l'exploitation, hein. C'est le plus gros en fait, tout simplement. Et je vous ai pas montré, voilà, j'ai pris ça comme comme des chômeurs en fait. Ouais, je me suis dit ça change, c'est un 5 mètres. C'est celui qui fait partie du pack de Massé en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, le but, bien entendu, c'est de mettre des cochons et des moutons et d'agrandir le cheptel de vaches. Tout simplement, les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation de Terra Italica vous aura plu. Si je le répète, mais n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Si t'es pas abonné, n'hésite pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. C'était Cédérome, le geek du soleil. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao les amis!